Il est là. What? Shooting a boy in the middle of abattre un enfant en plein milieu de la rue, un geste plutôt inconscient. Vous ne trouvez pas? Quoi? Vous avez vu ce qui s'est passé? Who are you? Êtes-vous? I'm Dr. Reed. Je suis le Dr. Reed. And I'd like to ask you a few questions. Poser quelques questions. Je vous promettez-vous de garder votre arme à l'écart? Look, non, I'm not je ne suis pas man. Du genre de personne. Je m'appelle Benjamin Palmer, docteur. Et même vous ne pourrez pas me soigner. Parlez-moi de cet endroit. Nothing to say, really. J'ai pas grand-chose à dire. J'ai toujours vécu ici. Et ça risque pas de changer si tôt. Vous n'avez aucune famille. You don't have anywhere to go. No family that would welcome you. Not since the death of my wife. Plus depuis la mort de ma femme, ma mère, Alba d'Albert. Elle était malade. Long before the flu and all this. Tu n'es plus. Ok. Vous aviez une vie meilleure avant, c'est ça? You mean you used to have a better life? Yeah, I had a wife, a home. Ouais, j'avais une femme, une maison et même un travail. I used to have a name. Mon nom signifiait quelque chose à l'époque. Maintenant, tout ce que je suis, c'est Ben le clochard. Peut-être pourriez-vous vous concentrer un instant. I'm sick, broken, my son just stole my pills. Et mon fils a volé mes pilules. Sinon tout va bien, très bien. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? De Pembroke Hospital. Have you heard anything? Funny, I've been searching for it. Justement, je la cherche. I need some pills. J'ai besoin de médoc. But the woman is a mais si vous voulez mon avis, really? C'est une femme, une chimère, comment ça? Il paraît qu'elle existe pas vraiment. Le docteur qui dirige le dispensaire illégal. Whatever the boy did, I'm sure he didn't deserve a public execution. Je vous jure que je ne voulais pas le blesser. C'est juste que je... Bien dans ma tête. Ce gamin a le ton de m'énerver. Ok. Parlez-moi de la guerre. What is it, Benjamin? It was the war. The doctors called me a liar. Mon traité de lâche, menteur. Mon prix, ma camisole. Ok. Yes. Vous souffrez. C'est plus long. I've seen a few cases. Stress post-traumatique déjà. This is nothing you should be ashamed of, Benjamin. Il y a de quoi avoir honte. And it's perfectly natural in your situation. Not ashamed. J'ai honte de rien. J'ai juste besoin de mes médocs et d'un peu de calme, c'est tout. Do you know Nurse? Really? What is? Ok. Bon. Est-ce qu'il va bien lui? J'ai pas pensé à regarder. You don't seem well, Benjamin. Do you need any help? I always feel ill, sir. It's like I'm never. I will see you later. A gun, I'll... Ok, on est bon. Alors là, il va retourner de l'autre côté. Ici. Alors, elle. Good evening, miss. Good evening, sir. Are you interested in a miraculous remède cure? Miraculeur. Then you have come to the right place. The famous... Oh. Ah, my brother has spoken mon frère m'a parlé research, de votre travail, sir. Monsieur. Monsieur Loretta Swanborough. Il y a des personnes intéressantes ici. Tell me, who intrigues you most in White? Que pensez-vous des gens ici? What do you think of the locals? Most of them are afraid or desperate. They all come to me eventually for my remedy. D'accord. Is there anyone I should avoid? Cadogan Bates, without a doubt. Cadogan Bates, the bloody bastard remorselessly exploits poor migrants d'accord. As soon as they get here. D'accord. Donc c'est le quartier le plus bourré en fait, Whitechapel. On s'en doutait un peu. Mais on a confirmation. Ensuite, ici il faut des trucs. Do you know Nurse Dorothy Crane from the hospital? I'd like to know more about her. I don't like to talk about competition. Never met her, but it seems she provides some sort of medical care to the poor. The whole thing has to be some sort of scam, if you ask me. Ok. I'd like to see what kind of medicine you're selling. Ah ouais, c'est vraiment de l'arnaque en fait. Fiole de verre.
Ah, elle a du permanganate. Ok, est-ce qu'on peut vendre? Ok, ça c'est fait. Une faible valeur. Faible valeur. Excellente valeur. Ça c'est ma montre. Grande boîte de pilules. Faible valeur de revente. Ouais, donc ça sert à rien. Par contre ça on vole. Hop. Ok. Ça sert à rien. Ok. Alors ça par contre, il me faut... Ça je prends. Oh la vache. Ok, je pense qu'on est bon. N'est plus approuvé, la grippe elle-même. Ok. Y'a rien là par ici. D'accord, on peut se battre à partir de là. Ça je prends. Ici on peut pas. D'accord, ça passe à travers les... qui est mort là. Ça je récupère. Ici y a rien. It's locked, all right. D'accord. Bon, on n'a plus qu'à remonter. On a fait le tour ici. Faudrait revenir sur le central. On va descendre là. Je vais essayer de voir si je trouve quelque chose dans le secteur là. D'accord, en train de faire les poubelles, là on revient par ici. C'est pas ce qui m'intéresse. Ici, est-ce qu'on peut descendre? Ouais, on peut descendre. Donc ici dans le secteur, il y a quoi? Frapper là par ici. Tiens, il y a un mort. Bon, ici on vient vers où? Il y a aussi un mort. Punaise, il y a que des cadavres ici. Ah, on est revenu ici. D'accord. Bon, on a fait le tour. On avance. Alors ici, il y a quoi? Ah, on pouvait pas ouvrir là? Si. Ok.
il se passe quoi ici? Ouais, il y a du sang partout. Il y a eu un massacre. Ok. Donc ici y a rien. On a récupéré des trucs. Là ici. À récupérer, ça va nous tomber dessus d'un coup là, vu le nombre de morts de toute façon et vu le sang, à mon avis on va pas y couper, on peut prévoir une nouvelle mort hein. Mine de rien c'est pas si simple à utiliser. Voilà ici, ok, ça s'est récupéré. On grimpe. Patate hein. Ok. Donc là on est à l'abri parce qu'en gros faudrait descendre, faudrait tomber d'un autre côté. Je vois mal comment les mecs ils peuvent pas grimper là. Refuge déverrouillé. Ok. Cosy. Ah, c'est vraiment un refuge en fait. Là c'est pour sortir. Là c'est pour dormir, on va éviter. D'accord, on peut sortir de différents coins. Ah non, c'est pas qu'on peut sortir de différents coins. D'accord, juste à côté. Voyons voir ça. Ok, pour l'instant, on a un petit peu de tout, ce qui est bien. Non, mais t'es sérieux, comment ça se fait? Toujours pas de poignée. C'est rageant comme truc. Et là? Ouais, bah non. Ouais, j'arrive pas à trouver les pièces. Hein. Faible. Bonne valeur. Faible valeur. Ok, bon, on a fait le tour là. On va aller se prendre une trempe. C'était où déjà? C'était ici. Je me suis fait sécher. Ok. Dégoûté.
Alors qu'est-ce qu'on fait? On le retente ou on le retente pas? Donc, pour l'instant... Ok. Donc le Sandra, c'est vraiment... D'accord. Donc là, il n'y a rien. Là-bas, il n'y a rien. Ici, on peut descendre là. Il n'y a rien. Non. On descend là. Encore ici, un truc. Ça c'est bon. D'accord. Y a rien là qui traîne. Si. Y a ça. Là ici il y a aussi un truc qui traîne. Voilà. Ils sont où là les rats? Ils sont là. C'est pas goûtant, mais bon, c'est déjà mieux que de faire des victimes. Ouais, mine de rien, en 3, ça a été réglé. Bon, on va ressortir par là. Ici, il y a quoi? Hello, young man. I'm Dr. Reed, and I would like to ask you a few questions. May I enter, please? Puis j'entrerai? No, sir. My father does not like people entering our house, you see. Your father is worried about you, boy. He asked me to look for you. So my father actually worries about me. Comme ça, mon père s'inquiète vraiment pour moi. D'accord, entrez. Come on in. Je m'appelle Harry, au fait. Ok. Vais vous poser quelques questions alors. Vous m'avez déjà dérangé. Alors je vous écoute. Bon, on va déjà voir s'il est malade lui. Do you need any medical help, young man? Yes, I do. Je me sens si fatigué. I don't know if it's the epidemic, but everything seems... Ok, on va lui donner. You'll feel better with